Alors, il me reste quoi? On s'est recruté quand même. Mine de rien. Bah oui. Poum. Bon, allez, il est prêt. Pourquoi pas? Niveau 22. Bah. Ah. Moi, ça a commencé à devenir chaud là parce que sur les une case et deux cases, j'ai plus que la machette et le sabre de cavalerie. Ouais. Donc, du coup, avec ça, il me faut un flingue qui est quand même plusieurs balles quoi. Parce que si je fais machette sniper, ça va être chaud quoi, tu vois. Bah, va falloir. Ouais. Et du coup, en flingue comme ça, j'ai que le lebel qui reste. Le bel et le bel talion. Alors après, je suis au tout début hein, du lebel et du lebel talion, donc j'en ai potentiellement pour un bon moment. Mmh. Ah, tu veux dire en flingue à 3 cases? Bah, en flingue à 3 cases, j'ai plus que le lebel, enfin le lebel et le bel talion là, et les Martini-Henri. Mmh. Martini-Henri, c'est avec une seule balle, du coup, c'est pas ouf si je fais avec ça plus une machette quoi. On a déjà gagné des games où j'avais Springfield machette, ok, mais. c'est pas extraordinaire. Après, je pense que j'arriverai plus vite à finir machette et sabre de cavalerie si j'arrive à finir les boss avec, que à finir le lebel et tout ça. Parce que si j'ai fini machette et sabre de cavalerie, j'ai plus rien en une case, deux cases. Plus que des trucs à trois cases à finir. Donc en une case, je prends un flingue, tu vois, un dolch ou whatever. Et, toujours un flingue, même un nagant, tu vois, tous les kills qu'on a fait au nagant. Oui. C'est pas fou. C'est pas faux, ma foi. Alors, le lebel, en plus, il a pas beaucoup de munitions. Mais faut que je me souvienne que j'ai du mal pour le moment avec son rythme de tir. Mm. Faut que je m'y habitue. Voilà. J'appuie sur le tab, ça a ouvert le machin, tu sais, le truc Steam. Alors, on est sur Spectre. On est sur Spectre. Il va falloir le faire, du coup. Ah oui. À place Nate. Ah, corbeau. Ça, chez nous? Au loin. Je pense que c'était au loin sur notre gauche. Il est où le coin là? Ah, il est plus loin. Ah merde, immolateur. C'est la collection. Okay, on peut prendre le deuxième. Ah non, c'est par là-bas. Demi-tour ! Yes. Ok. Ferme ou chapelle? Pas de préférence. Ferme, c'est plus court. Ok, go. Go, 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 là, bah go. Avec ta lunette là qui est tellement longue. Oui. Stop scène. Ah mais après je dis que j'ai... Ah nice. Après je dis que j'ai deux lebels mais peut-être que j'ai juste débloqué deux lebels vu que j'ai pas fait grand chose avec. Peut-être qu'il y en a d'autres derrière. Ah je sais pas. Parce que je suis étonné qu'il n'y ait pas un lebel avec une lunette tu vois. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que c'est là?
Ah, rouge, rouge, rouge. Si tu fais E, il est en rouge. Pas génial. Sur le toit, essayer de voir quelque chose. Ah mais c'est parce qu'on y est en fait. On est rentré dans l'arène du boss. Mais on aurait eu la barre de vie du coup du boss. Non ? Ah c'est pas faux. Parce que en fait le boss c'est juste là. Bon, au pire j'y vais, et tu me couvres. Hein. Ouais. Parce que c'était le point qui était en rouge sur le E. Parce qu'on n'avait pas encore pris le dernier point, donc on n'avait pas encore le boss sur le E. Ok. Peut-être qu'ils sont au niveau du point, je sais pas. Ou peut-être que c'est comme tu dis. Hein. Je te couvre, j'ai une bonne vision sur un peu tout. Nice. Alors en fufu. Ah, il y a un joueur. Ok. Bravo. Il y a eu un mort. J'ai entendu. Yes. Deuxième deux mort. Morts. Bravo, deux mec. Sniper, mec. GG. Trop bien. Ça va toi ? Ça devient chaud là, j'ai plus d'endurance. Je vais devoir tirer. Tac. Je me suis mangé mon propre piège. Si tu veux que je descende, tu me dis hein. Ok. J'ai de nouveau de l'endurance. Ah, j'entends courir. Dans la gadoue. Il y a un nouveau groupe. Fuck. Fuck, je suis mort. Oh merde. Ils sont au sud-est. Sud-est, ok. C'est chiant, je sais pas par où on part en plus. Le Star End est mort. Là, tu es sorti. Il est mort. C'est tu. Oh, quelqu'un d'autre du coup. Ouais. Il vient par derrière toi, je crois. Ouais, Fais gaffe, il y a des barbelés. Oui, et vous ? Oh putain. Il y a un autre accès au toit ou pas ? Je sais pas. C'est un explosif, tu peux lancer sur les barbelés. J'ai une dynamite. T'as pas un soin ? On tirait de là-bas, là. De là-bas ? Je crois. C'est du sud-est de là où j'étais. Waouh, c'est pas loin de chez toi, ça.
Je suis tellement perdu, mec. Lance une dynamite sur le barbelé. Comme ça, quand ce sera un peu plus calme, tu pourras me raise. Mais d'abord, il faut que tu ouvres cette option. Sinon, tu pourras pas faire plus tard. C'est pas une dynamite. Ah bon? Merde. Non, t'attends. Si quelqu'un t'envahit, ta meilleure option, c'est de le headshot quand il monte l'échelle. Ah, c'est pas mal, ça. Putain, il y a encore les barbelés. Ah, fais chier. Mais t'as appelé. Mais j'ai essayé avant, mais il faut que j'aille sur le toit pour les taper, j'arrive pas depuis la paille là. J'étais debout sur la paille là, je pouvais pas les taper. Au bout d'un moment, quoi. Ouais. Ok, je retourne sur le boss. Je suis avec toi. Ok. Et je pense qu'ils ont fait pas mal le ménage, hein, les mecs qui t'ont buté. Oh merde, putain, j'ai touché avec la dague. Donc ils sont bien dangereux, mais... Ouais, ouais, ouais. J'ai entendu beaucoup de gens mourir. Oh merde, il est sur toi, mec. Je souffre. C'est le moment de l'achever. Oh, il subdivise. Allez Jean-Claude. C'est bon. Yes. Ok, rituel c'est bon. Yes. Allez. Bien joué hein. Ouh la vache. Ok, ça venait de là-bas. Cette direction là. Ils sont là, ils sont là, ils sont ici. Et blitz. Yes, à mort. Ah, bravo, il y en a un autre. Bruit de pas, sûrement au-dessus de nous. J'en profite pour mon seuil. GG en tout cas. Je pense qu'il est au-dessus de nous, ouais. Ouais, je pense. Attention, si tu vas à l'extérieur, du coup, il y a des fenêtres de visée. Je vois. Il est juste là, au-dessus de moi. Au-dessus de toi, ok. Il bouge pas, j'arrive. On peut tirer dessus en même temps. Ah, il est revenu sur la terre? Non. Non, j'ai rien dit. Ah, ici! Tu l'as tué? Oui. C'est quoi le projectile? Oh. C'est moi. Là, il y a un mort. Excellent! Oui, il y a un passage ici? Oui, c'est lui. Une porte, ouais. Ok. Avec une échelle. Bien joué, mon pépère! C'est qui ça? C'est-il pas le pépère? Attention à ton piège ici.
Mec! Oh là là, et ils ont tué tellement de groupes, je sais pas combien on est encore sur la carte là, mais. Enfin, dans cette zone. You and me, and me, and you. Oh là là, mec! C'était ouf. T'as bien fait d'aller me reste comme ça. Oh, j'en pouvais plus, je savais pas quoi faire. C'est de l'action. J'ai payé pour agir. Ah, j'ai peut-être entendu des. Je crois que j'ai entendu des corbeaux, mais je suis pas sûr. Mais au loin de ça. Oh, tranquille. Faites le boucher, bordel! Mais oui! Il vous attend! En tout cas, GG, hein, t'es le premier là? Ah, GG. Le premier, je l'ai eu ici par la grille, c'est pas par où ça tirait. Terrible. Juste là, lui. Puis tes tirs de snipe là, apparemment. Ah ouais, les deux snipes là, j'étais trop content. Mais je pense qu'ils s'étaient pris un petit coup, les gars, avant. Ah, parce que ça one-shot pas ce truc. Opportunisme. Peut-être que t'as eu la tête? Peut-être, je sais pas. Coup sorti est. Ouais. C'est ça. Je peux faire un check et piller les mecs derrière. Je check. J'ai rien vu, j'ai perdu qu'une seconde. Attention au piège toujours. Ouais. Je vais enlever le piège. Hein. Je pille. J'ai un milliard de cadavres devant. Je... Mais les deux qui sont là, ça c'est moi ça. Ah oh, bravo. Ok, je fais un check autour. Je vois rien. Je pille. Ah, j'ai pas. Vous n'avez pas de place pour piller. Bon, bah d'accord. Ok. Ah, lui, j'ai le droit. Bizarre. Tu veux qu'on aille faire le l'autre boss? Je sais pas, mec. Moi, je suis content d'avoir la place nette déjà. J'ai trop peur qu'il y ait genre un groupe qui reste et que ce soit d'autres morts, mais. Comme tu préfères. Okay. Si t'es chaud, on peut. Sinon, tant pis. Moi, je suis chaud. Bah, je suis greedy. Ah, bah là, c'est du greed, hein, clairement. C'est la définition même. J'ai envie d'être foufou. Ah bah, je vois ça. Hein. Cadavre de partout. Place pour pied. Alors, c'est quoi la marche? On va vers l'élevage, là. Check, je vois rien. Ok. Et le point est à 255 juste à côté. Ok, ça marche. Consommable ici s'il faut. Okay. Très bien. Oh fuck. Ok, on peut aller au cimetière ou ok? On peut aller au cimetière. Ou quoi que le quai est juste à côté. Tu veux te faire un petit quai? Petit quai. Un petit quai. C'est un cadavre de gars, ça? Ah non. Non, c'est un cadavre qui se lève, ça. C'est... pas le même genre. Il peut avoir tellement de cadavres. Le mec était contrairement outré. En mode, comment ça, un gars? C'est qui le gars? Indigné. Check un coup. Ok, c'est dans ce bâtiment-là. Ok, j'imagine que t'as rien joueur, joué. Joueur, 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 là. Merde, 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 ok. Se casse.
Abort the mission. Ils sont proches? Ouais. Merde. On les combat ou on fuit? On fuit. Comme tu l'as dit, l'objectif c'est d'assurer le spectre. Bravo. C'est vers où du coup? Ouest. Ouest, ok. Non, qu'est-ce que je fais? Non, c'est l'Est! Je vois rien. Quel bon idiot! C'est fou l'Est, mais cette game! Ok, allons à l'Est. J'ai rien vu autour. Hein. Probablement. Juste n'importe essayer de ramener quoi. Le spec. Là, on a dévié, monsieur, là, on a dévié. Je confonds l'Est et l'Ouest ici, c'est terrible. Oh, je peux pas te faire la leçon là-dessus, hein. Clairement, je fais la même dans tous les jeux. Si t'entends des bruits, il y a des travaux, visiblement. Ah, très bien. J'entends un peu. Pas d'heure pour les braves. Un mec s'est dit dimanche 17h30. Et si je refaisais les murs? La perceuse. C'est mon moment. Comme ça, après, je pourrais vendre ça, 270 000 balles. Ah oui. Mais juste le mur, hein. Ah oui. Ah, c'est pas les mêmes prix, ici. Oh, un glitch. J'avais un glitch avec un arbre qui apparaissait, qui disparaissait sur le pont. Ok. C'était chelou, hein. Je fais un petit check, quand même. Ça fait longtemps, ouais, je vois rien. On est bientôt arrivé. Quand est-ce qu'on arrive? Ta gueule. J'ai l'impression qu'on a fait un détour, papa. Quand est-ce qu'on arrive? Attention, ne reste pas sur le gros. Voilà, tata. T'approche pas, ça va faire boum. Un gros boum? Oui. Ah ouais. Ah ouais. C'est nous, là? Ah oui, ça doit être nous, les corbeaux. Ah oui. C'est un gros boom, hein. Un gros boom, hein. Je peux les comprendre, ces corbeaux. Là, il y en a aussi, là. Bouh, bouh. C'est où, ensuite? C'est nord-est. C'est là-bas, faut suivre le chemin. On n'arrive pas à suivre un chemin, bordel. C'est la fatigue, aussi. On a trop fait de bonnes games. C'est vrai, ça. On a utilisé tout le mojo. Ah oui. C'est marrant, d'habitude, on dit ça, mais quand on est en train d'enchaîner des mauvaises games, du coup... Donc là, on le dit, mais on est quand même sur le point de gagner. Wow, 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 la machette. Ah oui. Calmez-vous. Parfait. Calmez-vous. Machette first. Rien à l'horizon, capitaine. Bravo. Bravo. Mais à ce moment, parce que quand j'ai vu les mecs, en fait, ils étaient immobiles. Ils bougeaient pas, ils étaient tous les deux collés. Et je pense qu'ils étaient pas rassurés. Soit ça, soit ils voulaient faire un guet-apens pour nous. Ouais, ils voulaient faire un guet-apens. On va dire ça. La vision, on va dire ça parce que si on dit oui, ils étaient collés, ils étaient pas rassurés et tout, on passe pourquoi nous à dire qu'on a fait demi-tour? Bon. Ah on oui. On va plutôt dire qu'ils étaient clairement en train de nous faire un guet-apens, que t'as lu qu'il n'y avait pas vraiment de bonnes solutions pour avancer sans prendre des risques inconsidérés. Tout à fait inconsidérés. Et c'est donc fort de cette analyse que tu as choisi de revenir sur la décision initiale. Exactement. Je peux te faire tout ça dans un document officiel. Ouais, c'est vrai, il a raison, il dit tout haut, tout le monde pense tout bas. Eh ben bravo en tout cas, bravo. Ah oui, bravo. Bravo, victoire, c'est quand même une place nette supplémentaire. Mm. Une sixième victoire. Oh oui.
4 chasseurs tués. Oh là là. Oh là là. Ça va beaucoup trop loin ce jeu. Ah oh bah là, là, on ne sait plus où donner de la tête. Voilà. On va reprendre une petite seringue quand même, parce qu'on a eu des sacrés frayeurs. Oui. Parce que bon, là, on est bien content, mais on n'a pas fait les fiers quand on était au milieu de la bicoque, là. Bon, je demande pas pour les animaux, hein. Maintenant que ça coûte 3, je me doute que tu les prends tel un sachet de chips. Ah oui, direct. J'ai... En plus, c'est un vieux perso que j'ai celui-là, je crois. Je l'ai déjà. Ah, donc t'as déjà tous les traits, en plus. Ah oui, si je me souviens bien, adrénaline, ça a été up aussi. Ah ouais ? Ça trigger plus facilement. Genre le... Ah. Je sais plus exactement, je crois que c'était 25%, ça passe à 50 ou un truc comme ça. Là. Ah, pas mal. C'est pas mal. Pour un point, ça peut servir. Alors, ouais, il y a bel et bien un level avec une lunette que j'ai pas encore débloqué. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça va, j'ai encore 3 flingues, ouais, en dehors des snipes. Ok. Et la machette, j'en suis à combien du coup? Elle est passée à 76%, ça fait plaisir. Cool. C'est pas mal. C'est sympa, quoi. Oui, oui. La maison. Ah, la maison. La bonne. La bonne maison. On était où dans la maison? À l'extérieur. Oui. Le drapeau, vue, tout ça. Là. La vue sur... Non, c'est quoi? Sur la campagne. Les jardins de Lady Fake sont vraiment amazing. Et incluent un tarmac, ce qu'on peut conduire avec la voiture pour se garer. Mm-hmm. Les murs, du coup, les petits murets typiques de l'Irlande, des plantes déjà grandies, du coup, genre des arbres et tout, des choses comme ça. Des noisetiers. Des noisetiers, donc, je sais pas si c'est un noisetier. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Des grandes pelouses, une zone de patio. Pretty Pond, je pense que c'est. Quoi? Et devant une belle vue, je sais pas, un truc. Un truc. Extensive patio area. Ouais. Une extension. Patio qui en jette, quoi. Hein. Vers l'arrière, ouais. Avec un joli pond, je sais pas ce que c'est, pond en français. Un pond? Je sais pas, mais je te propose qu'on dise que c'est un étang. Ah. Un petit étang. C'est ouf. Magnifique étang. Et. Empêcher les autres poissons. Et de l'autre côté, il y a une vue sur le lac. Ah putain, il y a quand même un étang. C'est n'importe quoi. Attention à l'entretien de l'étang, monsieur. Détaché de la maison, il y a un garage de 350 pieds carrés. Mmh. Avec un couloir en vitre qui le relie à la maison. Couloir en vitre. C'est complètement ouf. C'est quoi un couloir en vitre? Un couloir, mais vitré. Tu peux le voir si tu vois les photos. D'accord, je regarderai. Couloir en vitre. Cette maison, elle est ouf. Le prix, il est pas possible. Mais peut-être que c'est une raison à la con, c'est genre... Ah, on a dépassé le point. Bah, c'est juste que pour relier le garage à la maison, ils ont fait un couloir vitré pour que tu puisses voir dehors, quoi. Genre, ils ont fait une zone couverte vitrée. Oui, mais en fait, moi, je suis en train d'imaginer un couloir super long. C'est pour ça que je me dis que c'est un truc de malade. Super long. Non, mais c'est mais pour le prix, imagine. Peut-être qu'il y a eu 3 familles qui sont mortes dans cette maison, quoi, ou sur le terrain. Mais je m'en fous. Non, mais bien sûr. C'est pour ça que je disais. C'est pour ça que je disais une raison à la con. Peut-être qu'il y a ça et du coup, ça a cassé le prix parce que il y a les légendes de l'Irlande qui font que c'est le pire endroit au monde, quoi. Peut-être. Alors. Après, pour ton auberge, bon, faudra clairement de toute façon baser sur le tourisme et les gens qui connaîtront pas forcément ça. Donc. Oh non, mais je le mets en avant, ça. Ah, faut voir comment tu le mets en avant, du coup, hein, parce que tu l'auberge chantée, une clientèle, la vieille Irlande. Tu parleras une clientèle potentiellement différente, de quoi. Ah, voilà. Je suis pas expert marketing, mais bon.
Généralement, les auberges qui font peur, c'est celles qui finissent avec Gordon Ramsay qui finit à l'intérieur pour dire bon, pourquoi ça marche pas alors. Pas le même de fait peur, dit. Ok, c'est bleu. On arrive à choper là. Oh fuck. Putain. Oh mais il me bloque le chemin en plus ce bâtard. Bon, heureusement j'ai. Ouais, j'ai pu le choper avant qu'il me. Il nord-est. Balance le coup, mais. Fuck. Mais il est possible que je crève. Hein. Mais non, t'arrêtes pas, ça va aller, il court plus. Il court bah bah oui, bah j'aimerais bien ne pas m'arrêter, mec. T'es marrant, toi. Mais cours moins vite que toi. C'est bon, il oui, t'a lâché. Je sais. J'étais bloqué. Il court moins vite. Sans deck. Que toi. Toi, t'es du genre à donner des conseils, genre win the game, please. Oui. Please. Aim the target. Petit consommable ici, je vais peut-être te récupérer un soin. Ah, nice. Merci, ça, bonne info. Toutes bonnes mes infos. Oh. Oh. Oh, je t'avoue que bon, t'es pas sur la compilation des meilleurs aujourd'hui, mais celle-là était bien. Je pense que le sac à viande chez toi, ça stimule un truc quoi, au niveau des infos. Le mec, mais forcément si tu vas contre. Le flow que je propose. C'est pas que je vais contre le flow. Là, quand je suis bloqué, je peux pas bouger. Enfin, y a pas de question. Tu remontes à contre-courant. Non, je pense qu'on parle pas du même moment, c'est pour ça. Donc ouais, non, sac à viande. Dès que je vois un sac à viande, je vais juste arrêter de t'écouter. Oh le mec, terrible. Dès que je vois une boîte d'accessoires, je sais que c'est bien. Toi qui a tiré. Ouais ouais. Okay. Ouais ouais. Pas du tout. Ouais ouais. Ouais j'ai tiré ouais. Il est par là monsieur l'arbitre. Oh j'ai tiré. On a le point. C'est cool. À l'est. Et dès qu'il s'agira de points cardinaux, je pense que c'est 50-50. T'es vraiment bâtard. Ça vaut pour moi aussi, hein, clairement. On fonce à l'est. Je vais parler rapide, moi. Waouh. Ok, ok, vas-y. Ouais, impressionnant, ouais. Ouais, bravo. Bam. Là, il enchaîne et oh là là, il est incroyable. Parfait. Un véritable cabri. Ils prennent les ponts, on n'a pas compris le jeu. Faut se taire sur le petit caillou. Ah, moucheron. Bam, shotgun. Oh merde. Merde, j'ai plus d'endurance, quel connard. Fraîcheur de vivre. Hollywood chewing gum. Hollywood chewing gum. Ok. Je suis en vie. T'as de viande. Ok, je ne t'écoute plus. Surtout, ne meurs pas. C'est sous terre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Ah, t'as trouvé l'accès? Oui. Oh, une trappe. Mais quel connard! Quoi? Mais j'étais passé. Ah bon? Mais j'étais sur l'ascenseur.
Bon, bah, je redescends. Après être remonté. Ah oui, les ascenseurs, faut pas que je te croie. C'est vrai, j'avais oublié. Oh. Ça va, ça arrive à tout le monde. Tu peux miner ? Je sais pas. Oui, bien sûr. Je mine l'ascenseur ? Ah bah ouais. Moi, je mine l'ascenseur. J'ai miné l'ascenseur. Oh fuck. Il y a un accès ici ? Ah, il y a un accès ici. On va miner ici aussi. Ultra fuck. Ok, j'ai miné ça et la pente et l'ascenseur. Hein, les deux trucs habituels, on connaît maintenant. Hein. Ah ouais, mais lui, je vais pas pouvoir faire la machette, mais... Alors chiant. Bah, pas tout de suite, il est en vénère, là. Ah ouais, ok. Oh, il a pas l'air super vénère. Hein. Je crois qu'il est en vénère, je sais pas. Non, il est pas vénère. Il s'est peut-être calmé entre-temps. Hein. Oh, il a l'air peut-être. Normal, là. T'es peur. Là, là, il est énervé, là, oui. Ah, quoique. Non, non, il est pas vraiment énervé, là. Il ne pensait pas, c'était la rage qu'il faisait parler. T'as tout miné, du coup, ou pas ? Non, juste le côté où il y a l'ascenseur. Ah. J'ai pas assez de mine pour le reste. Là, il te court dessus, là. Ah non, là, il court dessus, là. Il se dit, bon, deux boules de cette qualité, quand même, c'est difficile de choisir. Voilà. Ah là il est en colère, oui. Là je veux bien. Là en effet, il y a de la colère. Il est où Sagouin ? Il est là. Tu es en colère ? Non, ça va là. Ah bah là il a plus de tête et il t'en veut, je pense. Ouh, je pense qu'il s'est dit que c'était vraiment son meilleur attrait. Là il sait pas trop comment il va faire des photos sur Tinder. Regarde, on peut jouer au foot avec sa tête. Ah ouais, il est toujours assez en colère, là. Ah, il t'en veut, hein. Il t'en veut. Je sais pas s'il est vraiment encore en colère, là. Mais il a l'air de courir assez vite pour être en colère. Il est pas très expressif, ce boucher, quand même. Hein. Non. D'habitude, il bouge les bras, il crie un peu. Ouais, c'est calmé, là. Ouais, j'y mets un petit coup. Oh là, oh, il t'a enchaîné, mon gars. Et il est colère, là. Oh là, ouais. Ah, là, il agite son bras, là. Ah, ce qu'il t'a mis. Bah, il m'a défoncé, j'étais full oui. Life. Ah, imagine, c'était un sac à viande. Faut pas que je fasse ça. Je le finis, c'est bon. Ouais, vas-y. Nickel. À la machette. Oh là là, la punition. Oui. Bon. T'as miné l'autre côté là-bas ? Ouais. Bien ouais, mec, t'es incroyable. Bah, c'est ce côté-là d'ailleurs que j'ai fait. Ah oui, c'est vrai qu'on a tellement tourné qu'on a changé de côté. Est-ce que tu vois des munitions, mon pote ? Des munitions, ok. Pas de soucis. Voyons voir. Des munitions. Ah, j'ai entendu un coup de feu. Peut-être que la personne a des munitions pour toi. C'est vrai. ici, on a une boîte. Là. Oh yes. Petite boîte. Et juste à côté, il y en a une deuxième. Oh là là, c'est Noël. Allez, c'est Byzance. C'est moi qui offre. Voilà. Super. Ça et où la deuxième ? La deuxième, elle est là-bas. Là, ici, ouais. Super. Ah, mais une boîte que je peux prendre. Et voilà, et une boîte que tu peux prendre. Voilà. C'est bon ou il t'en faut plus ? Si je peux en avoir plus, c'est cool, mais sinon, ça va. Genre, j'ai deux chargeurs. C'est un peu la définition de ta philosophie de vie, ça, non ? Globalement, ça va, mais si je peux en avoir plus. Ah, c'est vrai bien. Que c'est un monocontrat. Ouais. Je vais surveiller la porte là-bas. Là. Laquelle ? Ok, d'accord. Ça court. Ah merde. Je sais pas si c'est toi ou pas. J'ai couru là, mais je ne cours plus. Ah. Moi j'ai couru dans l'eau. Ah oui, ça s'ouvre ! Ah merde, j'arrive. Tant pis pour l'autre côté, on s'en bat les couilles. Je retourne à l'autre côté quand même. Tu me dis si t'as besoin de support et j'arrive. Ok. J'entends des bruits de pas de mon côté aussi, c'est pour ça que ça me fait un peu paniquer.
Ok, un mort. J'avais un mec accroupi qui était au niveau de la pente. Ok. Je sais pas s'il y a un deuxième avec lui ou pas. Alors d'aller se faire prendre en sandwich et tout là. Non, une sortie au sud. Ouais. Si on arrive à sortir. Ça va de ton côté? Ouais. Qui va chercher la prime en premier? Moi, je vais lancer un truc. Continue de surveiller ma sortie, j'ai trop peur qu'ils soient pas de carré. Vas-y, tu peux venir. Ok, allons-y pour un check. Check au sud. Ok, j'ai 3 mecs, non 4 mecs pardon, au nord. Ok, rien au sud. Oh, bah au sud. Ok, go. Bon, espèce d'handicapé là. Non, attends, j'aime pas ça. Il y a un escalier ici aussi. Ici, ici, ici. Ok. Ok, on a des mecs là-bas. Oh merde! J'ai loupé mon saut, mec. Je suis désolé. Je suis touché. Fais le tour, fais le tour. Je pense qu'ils sont sur moi. Il y en a un là, juste à côté de toi là. J'enlève. Oh, je suis mort. Je peux pas. Cours, casse-toi. On dit mille. Ah, là, louper le saut, c'était fatal, hein, clairement. Ah bah oui, bah de devant derrière, mais c'est la fête. Oh là là. Quel dommage. Ah ouais, quel clair. Quel dommage, j'avais réussi à faire le boss, mais... Il y avait du monde, hein. Ouais, il y avait du monde, ouais. Ça aurait fait un bel effet entonnoir derrière. Ah, c'est trop dommage. Ah, j'étais content, le mec est arrivé là de mon côté, je l'ai one-shot, headshot. Ah oui. Il a mis juste le bout de sa tête, c'était fini. C'est parfait. Tu sais, tous ces moments où on est mort sans comprendre ce qui se passait, bah c'était lui là. Nickel. Ah là là, j'ai loupé le parcours avec un AK. Ah oh, le parcours. Ouais, bah le saut était un peu tricky aussi. Ah j'avoue que là, bon. On m'a demandé de faire le joueur de Quake quoi. Hein, c'était chaud du steak. Ah bah oui. Semer les méchants. Ah bah ça. Bon, je te propose qu'on arrête là. Ah bon? Ouais. D'accord. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas vu l'heure. Et ça aura été déjà bien rempli. Oh oui. On aura fait, je sais plus, 5 ou 6 victoires. Ouais. Mine de rien. Pas mal de games aussi où on a quand même eu l'occasion de se friter un petit peu, quoi. Hein, de faire la bagarre. C'est bien. En plus, sachant que ça faisait une semaine qu'on n'avait pas chassé. Ah, c'est pas mal. Je pense qu'on est en droit de pas se plaindre, hein. Franchement. On est bien. Bon moment. C'est bonne reprise. En plus, tu nous as fait rêver, là, avec cette annonce de maison. Ah
Ah là, cette maison. Avec ses étangs, ses lacs, ses couloirs de verre. Phénoménal. C'est ouf. On espère que ça vous a plu, on se retrouve pour la prochaine session de Hand Showdown. Dès que possible, et comme à l'accoutumée, d'ici là, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye. Bisous. 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 Et oui.